Salut à tous, bienvenue encore une fois chez Infinite Tutorials. Aujourd'hui, nous apprendrons des notions. Comme toujours, nous analyserons le mouvement pas à pas et au ralenti. Ok, on y va, étape numéro 1. Nous commençons par mettre le ballon pour ainsi dire entre le nez et le front. Oui, sans aucun doute, le nez et le front. Maintenant, nous penchons la tête vers l'arrière jusqu'à ce que nous atteignions une position stable. Cela signifie, si nous tenons le ballon avec nos mains, le ballon ne roule pas en avant ou en arrière. Nous utilisons les mains juste pour éviter que le ballon roule à gauche ou à droite. Jusqu'ici, tout va bien. Étape numéro 2. Nous savons comment éviter le roulement du ballon vers l'avant ou vers l'arrière. Maintenant, probablement un peu plus difficile à maîtriser, le roulement à gauche et à droite. Comme auparavant, nous penchons la tête vers l'arrière, nous cherchons la position stable. Mais maintenant, observez ma tête et le haut du corps. Je bouge constamment la tête et le haut du corps pour garder le ballon en place. J'utilise mes mains le moins possible. Très bientôt, le temps entre les touches augmentera et vous n'aurez plus besoin de l'aide de vos mains. Mes amis, c'est encore tout. J'espère la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, de partager et de commenter. On se verra bientôt sur ma chaîne Infinite Tutorials.